À l'aube du XXIe siècle, Marjane Satrapi nous livre le récit de sa vie par le biais d'une bande dessinée qui allie avec un certain détachement les violences de la révolution iranienne de 1979, celle de la guerre Iran-Irak, à l'humour et au regard critique d'une jeune fille qui grandit loin de ses parents. En effet, lorsque la répression du régime islamique empêche Marjane de s'épanouir, ses parents décident de l'envoyer en Autriche. Un exil contraint mais nécessaire qui va confronter la jeune fille iranienne à la culture européenne lors d'une période clé de sa vie, l'adolescence. Cet âge charnière, souvent assimilé à une révolution, en rencontre une autre, celle d'un peuple qui rejette l'intégrisme. Marjane n'est pas encore adolescente lorsque les premières manifestations sont violemment réprimées par le régime. Néanmoins, elle développe très vite la volonté de se joindre aux protestataires pour revendiquer sa liberté. C'est finalement la première révolte du personnage qui en précède une autre quelques années plus tard lors de son exil en Autriche. À Vienne, Marjane découvre l'amour, la drogue, les soirées, cette vie pleine de légèreté et de liberté, loin de la guerre qui ravage son pays. Cependant, la jeune fille expérimente aussi la solitude, ce sentiment de ne pas être à sa place, qui la pousse à retourner en Iran après 4 ans d'exil. Lors de ces années, une place importante est accordée à la recherche identitaire. Un questionnement important à l'adolescence, lorsque nous avons bien souvent à nous conformer pour nous conforter. Ouf. Effectivement, Marjane a bien souvent fréquenté un groupe de junkies qui lui permet d'oublier des années durant sa différence. Elle adopte leur mode de vie dans le but d'effacer sa différence. Cependant, hors de ce groupe très privé, notre héroïne est confrontée à la xénophobie. Nous, lecteurs, ressentons alors sa souffrance, qui naît des regards singuliers qui lui sont adressés. Malgré tous ses efforts, Marjane ne peut s'accommoder à cette vie qui nie son héritage iranien. Suivant les conseils de sa grand-mère, la jeune fille entreprend d'être intègre à elle-même pour pouvoir s'intégrer. Ce séjour en Europe a donc permis à la jeune fille d'abandonner ce masque et de s'affirmer en tant que femme fière de ses origines. Dans les temps les plus sombres, Marjane a su trouver la combativité pour quitter cette vie et rejoindre celle qui l'attend à Téhéran. En résumé, la première partie du récit de sa vie est axée sur la recherche de son identité, qui nous concerne tous à n'importe quel âge. De retour en Iran, Marjane ne renoue pas avec son ancienne vie. Tout semble avoir changé et déclenche chez elle le sentiment d'être trop occidentale. Un paradoxe chez la jeune femme trop iranienne pour l'Autriche. La quête de son identité n'est donc pas encore achevée. Dans une société profondément changée par la guerre, où la population vit dans son souvenir, avec des rues portant par exemple le nom des martyrs, la répression reste forte et s'est encore accentuée. Dès lors, Marjane perd pied, ne se sentant plus adaptée à la société iranienne. C'est un nouveau défi qui vient s'ajouter à la culpabilité et au relativisme d'une existence viennoise, frivole, loin des explosions de bombes qui ont lieu en Iran. Au fil du temps, l'héroïne retrouve quelques repères et parvient à vivre avec le fantôme d'une guerre qu'elle a fui. Elle trouve une échappatoire dans ses études, lors desquelles elle rencontre son futur mari, duquel elle divorcera. Ce mariage sera d'ailleurs une source d'apprentissage. Finalement, la vie de Marjane est faite d'une multiplication d'expériences qui lui ont permis de devenir telle qu'elle est, sans en blêmir. Cette richesse accumulée nous renvoie à nos propres expériences composées, elles aussi, d'une succession d'événements qui nous façonnent au gré des ans. Ce qui me frappe dans Persépolis, c'est finalement la finesse avec laquelle l'auteur lie sa vie, ses expériences personnelles, mais aussi universelles, à l'histoire avec un grand H. Marjane se fait le miroir des étapes de la vie que l'on connaît ou l'on a connues. On suit à ses côtés les élans amoureux, ceux qui nous font vivre plus fort et dont la véritable saveur ne se révèle qu'une fois lorsqu'il s'achève. Une vie connue de tous, qui se mêle pourtant à un contexte particulier, créant une ambivalence qui nous attire. Une vie marquée par un parfum d'Orient, plus particulièrement d'Iran, se dessine sous nos yeux. Nous analysons la culture, les actions, au travers du regard de Marjane. Une enfant qui se voit contrainte de porter le voile à 10 ans, dont les loisirs trop occidentaux sont prohibés par les gardiens de la Révolution. Une jeune fille dont l'oncle, opposant au régime, est tué après avoir été torturé des années durant. Un témoignage finalement historique
d'une jeune fille dont l'existence, si ordinaire, est bouleversée par le bruit des bombes et la confrontation avec la mort et l'intégrisme. La narration de l'œuvre alimente sa puissance. Marjane adopte une position détachée de l'action qui se révèle fondamentale puisqu'elle permet une introspection du personnage accompagnée par le lecteur. Autrement dit, nous parvenons à nous placer aux côtés de Marjane lors de la ressurgence de ses souvenirs sans pour autant être confrontés à une fresque trop sombre dont les détails nous échapperaient. Finalement, les souvenirs deviennent palpables car ils sont tous représentés sous nos yeux et ponctués d'anecdotes familières. Par exemple, on rentre dans les rêves de la jeune fille, ces représentations mentales d'un dieu qui ressemblerait à Karl Marx. C'est donc cette précision dans les souvenirs qui soutient le récit de Marjane. Sans oublier le format sur lequel repose l'œuvre, une bande dessinée dont l'esthétique sert les dialogues. Les dessins, sans relief ni contraste, nous rappellent une douceur enfantine où les rêves de devenir prophète ou chimiste s'entrechoquent à la réalité du meurtre des opposants. Dès lors, nous ne pouvons qu'apprécier l'adaptation cinématographique de la BD réalisée en 2007. La multiplication des supports est intéressante car, d'une part, elle s'adresse à deux publics, puis, d'autre part, lorsque nous intégrons ces deux publics, elle nous permet d'adopter des regards différents sur le récit. Effectivement, le film d'animation a permis de donner vie au dessin et de nous plonger dans les souvenirs de Marjane. Puis, il y a aussi la voix de l'auteur qui demeurait inconnue jusqu'alors au lecteur. En outre, sans que l'œuvre ne soit développée sur différents supports, elle reste attrayante pour plusieurs publics. C'est d'ailleurs ce point qui m'a incroyablement plu. D'abord accessible à celui qui recherche un récit de formation d'un jeune héros, ensuite pour des lecteurs qui souhaitent recevoir un témoignage historique. En effet, la vie de Marjane se superpose au temps fort de l'histoire iranienne. C'est d'ailleurs sous l'angle d'une mémoire de l'histoire que j'ai abordé pour la première fois Persépolis. Ce n'est qu'à la deuxième lecture que j'ai perçu la richesse du récit en me focalisant particulièrement non plus sur l'enveloppe historique, mais bien sur ce qu'elle contient, c'est-à-dire une existence. En résumé, le récit satisfait les envies de différents lecteurs avec un style qui allie comique et tragique. Enfin, au-delà de la multiplication des expériences de la vie, de la quête de soi ou de l'historicité de l'œuvre, on retrouve aussi le thème de l'amour, un sentiment universel qui lie Marjane à sa famille. À la vue des pleurs des parents quittant leur fille, on perçoit ce lien étroit et pourtant si fort qui relie les personnages entre eux tout au long des années. Cet amour simple contraste avec la mort des innocents, des soldats ou encore des aïeux, ce qui offre un panorama contrasté qui alimente la puissance des dialogues des personnages. De plus, l'auteur aborde des thématiques liées aux relations entre les individus que nous avons déjà vécues ou sommes amenés à vivre. Je pense notamment au fait de voir grandir et vieillir nos proches, qui est un thème majeur du dernier tome de Persépolis. Finalement, cette fresque témoigne de la richesse de la vie en détaillant nos joies et nos peines. La force du livre est définitivement son pouvoir à tous, de s'adresser à tous, outrepassant nos différences, pour s'adresser à l'humain qui est en nous. Enfin, c'est l'idée que chacun d'entre nous est capable de mener son existence selon ses envies et ses principes qui émanent de la BD. Ainsi, l'auteur et héroïne conclut son roman en écrivant « La liberté avait un prix ». Pour nous rappeler que parfois, il nous faut faire des choix qui nous coûtent sans pour autant les regretter.